Calme-toi, je vais trouver quelque chose pour le faire partir. On a fini le jus d'orange tout à l'heure. C'est quoi là derrière? Un soda? Mais d'où il vient? Oui, je veux ça. Tu oublies le règlement de l'école? Pas de soda tant que tu n'as pas 7 tailles. Oui, j'ai tout un tas de règles. On doit avoir 7 tailles pour boire dans un vrai verre, 7 tailles pour aller aux toilettes seul comme un grand, et la taille d'un adulte pour pouvoir boire du soda. Mais ce goût dans ma bouche, c'est le plus pire du monde. Donnez-le-moi, s'il vous plaît, c'est vous. J'ai dit non. S'il vous plaît, chef chéri adoré que j'aime de tout mon cœur. Allez. Oh, bois-le vite alors, je ne veux pas que les autres enfants sachent que... Brouille-toi, Brigitte, faut surtout pas que les autres te voient en train de... Soda. Soda. Bois-le vite. Soda. Fait tout cela en fait. Je me souviens même pas être entrée. Oh, ça m'a fait mal à la tête. Oh non, c'est vide. Chef, je peux avoir un soda? Dites oui. Désolé, mais je dis non. C'est pas juste. Brigitte, elle en a eu un. Pour Brigitte, c'était une urgence. Pour faire passer le goût du ver de terre qu'elle a avalé. Donc tout ce que j'ai à faire pour avoir un soda tout sucré et pétillant, c'est manger des vers de terre? Je suis partant. Et c'est qui saura me dire où trouver des vers de terre? Les poissons! Juste un petit renseignement, s'il vous plaît. Y aurait-il dans les parages un coin à l'ambrique? Moi, le soda! Y a sûrement un autre moyen pour attraper des vers de terre. Génial! Je n'ai plus ce goût de vers de terre dans la... Wow! Qu'est-ce que c'était que ce truc bizarre? C'était comme s'il y avait une teuf complètement déjantée dans ma bouche. Tu as le hockey, Brigitte. C'est ça le... Le hockey? Ouh, je trouve ça très... Très rigolo. Non, finalement, je trouve... Je trouve ça horrible. Je veux que ce hockey... S'en aille. Dis-moi ce que je peux faire pour... M'en débarrasser. Retiens ta respiration. Excellente idée. En même temps, si j'arrête de respirer, je vais mourir. Alors, tu vas tenter quand même, c'est ça ou... J'ai une bien meilleure idée. Quand j'étais petit, on se faisait sursauter pour arrêter le hockey. J'ai ce qu'il faut, regarde. Comment ça se fait que tu n'as pas sursauté? Ben, vu que je m'y attendais, j'ai pas été surprise. Moi, je suis trop forte en surprise. Ferme les yeux et viens avec moi. Oui, c'est ça, allez-y. Votre vieux chef a besoin de reprendre un peu son souffle. On y est, ouvre les yeux. Surprise. La la la, Noël est là. Jamais la date à l'avance. Tiens. Oh. Trop chouette. Un bébé chien. C'est la plus belle surprise qu'on m'ait jamais faite. Oh, c'est raté. Allez, c'est fini les gars, on remballe. Sérieux? Non, attendez. Où est-ce que vous en
emmené Noël. C'était super. T'avais qu'à pas gâcher notre Noël surprise. Oh. Petit petit, par ici, venez voir tonton Gontran. C'est pas si facile d'attraper des vers de terre. Oh, d'accord. Oh, il est toujours pas parti. C'est très mauvais signe. Ta famille va te manquer. Me manquer? Mais pourquoi tu dis ça? Non, sans blague. T'as pas entendu parler de l'île du Hockey? C'est une île secrète du sud de l'océan Pacifique, sans nourriture, sans eau et sans wifi. On y envoie les enfants dont le hockey ne s'arrête pas casser des cailloux pour le restant de leur jour. Les parents font vraiment des choses pareilles? Oui, qu'est-ce que tu crois? Tous ces... C'est énervant à la longue. Ils préfèrent ne pas les entendre. Faut que tu m'aides à faire passer mon hockey, Lucas. Je veux pas aller sur l'île du hockey. Attends, maintenant que j'y pense, il y a quelques petits trucs qu'on pourrait essayer. Mais tu devras faire exactement ce que je te dis. Ça marche? Ça... Ma... Il est toujours pas parti. C'est bizarre, pousser quelqu'un sur une balançoire, ça le fait d'habitude. J'ai bientôt fini ton tas de feuilles pour le grand saut. Encore quelques-unes et c'est bon. Ouais. Yahoo. Ah. Ouais, bien joué. Oh, ça n'a pas marché. C'est très étrange. On essaye autre chose. Faire ton projet d'art plastique, ça ne m'aide pas non plus. Ah. Ton cas doit être extrêmement grave. Bosser pour quelqu'un d'autre, normalement, ça détend bien le muscle kématique. Je sais, rajoute des paillettes. Oh. Mais quoi? Je l'aide vraiment? Je ne vois pas où est le mal si je peux en retirer un petit quelque chose, moi aussi. Fatigué à faire à manger quand ça peut nous tomber tout cuit dans le bec. J'en ai eu beaucoup plus que ce dont j'avais besoin. Oh. Salut petit bébé oiseau. Attendez, vous m'en voulez parce que j'ai mangé votre casse-croûte? Un peu plus vite. Voilà, non, plus vite. Encore? Essaye le raisin. Je fais tout bien, pourquoi ça marche pas? J'abandonne. On aura essayé. Tu vas me manquer, Brigitte. Mais tu te feras de nouveaux amis sur l'île du hockey. Ah non, l'amitié est interdite là-bas. Oublie ce que j'ai dit. Quoi? De toute façon, c'est l'heure des parents, alors ciao. Brigitte, ta maman est là. Oh non, quelle horreur. Ne parle pas du ver de terre, ni du soda. Ça a été la pire journée de toute ma vie. J'ai avalé un ver de terre, attrapé le hockey, on m'a offert un bébé chien et j'ai même pas pu le garder. En plus, je suis toute recouverte de paillettes et de coquillettes. Le Noël surprise a été annulé au dernier moment. Et surtout, on va m'envoyer sur l'île du hockey. Je n'ai plus le hockey, il est passé. Ça y est, chef, je n'ai plus le hockey. De rien, Brigitte. Oh, mais oui. Oh, Lucas, merci pour ton aide. Je t'en prie, doucement. Bien sûr, l'île du hockey, je l'ai inventée. Mais la peur est un très bon remède au hockey. Alors, vous voyez bien que je voulais juste l'aider. Dire que vous ne me faisiez pas confiance. Ah, laissez-moi tranquille. Waouh, je n'ai jamais vu un oiseau de cette taille. Ou alors c'est un... C'est pas vrai. Gontran! J'ai besoin d'un soda! J'ai mangé des vers de terre! Redresse, petit! Redresse! Est-ce que j'ai droit à mon soda maintenant? Je n'avais qu'une seule canette. Si seulement j'avais su ça ce matin.